Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien les amis en ce lundi. Lundi 20 décembre. La Bernadette rentre du boulot. Moi-même aussi les amis, première chose que j'ai fait, j'ai même pas fait de câlin à Bernadette, direct que j'ai démarré la vidéo. Je me suis fait disputer par la Bernadette. Tu confirmes Bernadette, tu confirmes? Je confirme. Elle confirme. C'est pas bien. Ne faites pas ça. À ne pas reproduire à la maison. D'abord saluez votre femme et les enfants. Un petit câlin, un petit bisou, et après vous faites ce que vous devez faire. Les amis, donc joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés à 20 décembre, dont Sève la chiante. Et ben Sève, j'espère que tu seras moins chiante à l'avenir. Esther Barbet, c'est Esther. Hein, Esther Barbet, il y a qui encore les amis? Il y a qui? Donc Sève la chiante, Esther Barbet, Sab 58130, Gino ou Nos, et Val 29780. Les amis, vous n'avez pas des pseudos un peu plus compliqués? En tout cas, joyeux anniversaire à vous. J'espère que vous avez kiffé votre journée. Aujourd'hui, la chaussette Bernadette vient de me l'improviser. Elle n'a pas eu le temps de la faire. Elle vient de rentrer du taf, comme je vous ai dit. Moi-même également. Ah, ton téléphone, Bernadette. Voilà, je l'ai poussé. Ben voilà, voilà, les amis. Petite chaussette. Voilà, numéro 20. Il n'y a pas le numéro dessus, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose dedans à se gratter, les amis. À se gratter. On en est au numéro 20. C'est parti. Aujourd'hui, gros défi. Entre le apprendre ou à laisser et le qui veut perdre son pognon. Mon favori, vous savez, c'est lequel, surtout par rapport au stade, c'est celui-là. Mais ça veut rien dire. Sur un échantillon de 5 tickets chacun, sachant que ceux-là, ils se suivent. On a même le 11, les amis. Ah non, ils se suivent pas tout à fait. Bon, ben ça va, c'est pareil. Parce que là, ils se suivent pas non plus. On a une fin de carnet, 28, 29, et un début de carnet, 0, 1 et 2. On va voir, les amis, qui est le gagnant. Et les boosts, par contre, on se les fera lors de la prochaine vidéo. Si on a des tickets à booster, on se les fait lors de la prochaine. Ben, vous savez quoi, 28, 29, je vais commencer par les 0, 1, 2. 0, 1, 2. Alors, 0, et après, bon, on verra le qui veut gagner 10 millions. C'est parti, mon kiki. Les amis, que c'est le duel des émissions. Le duel entre apprendre ou à laisser. Et le qui veut perdre son pognon. Qui veut gagner des millions. C'est parti, les amis. Aïe, ça commence à 500, les amis. Dédicace à Seb Lassalle, mon ami bourguignon. N'oublie pas de mettre un max de pouces bleus. On a passé les 27 500 abonnés. Go, les 27 600. Palier par palier, les amis. On vise les 30 000 abonnés pour les 3 ans de la chaîne, c'est-à-dire le 2 mars 2022. D'ici le 2 mars, si on est à 30 000, les amis, on fera une fête. On fera une fiesta. On fera une fiesta de folie. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Merci pour vos soutiens, les amis. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous les anciens. Et merci à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Vous êtes au top du top, les amis. Même si là, on n'a pas les 500K, c'est pas grave. On continue notre aventure. En route vers le lion mi, la quête du million. Je quitterai pas la chaîne tant que je repartirai pas avec le lion mi. Que ce soit le lion mi d'euros ou le lion mi d'abonnés, les amis. Lequel est le plus facile à avoir? Il faudrait que je vous fasse un sondage. Entre lequel j'aurai en premier si j'en aurai un des deux. Parce que je suis même pas sûr d'avoir un des deux, les amis. Hein. Lequel j'aurai? Oh, les amis! 0 ou 50 boules. Et c'est 0, la tête à Toto. Le bonus 0. Pour l'instant, 0 pour les apprendre ou à laisser. J'espère que ce duel sera sympatoche. J'espère qu'on aura affaire à un bon duel. C'est bon duel. Allez, ticket 14. Il n'y a que lors de ce duel que je peux gratter ces tickets. Combien de dés faut-il pour jouer au YAM? Ah bah attendez, au YAMS, normalement, c'est pas au YAM. C'est le YAMS? C'est le YAM, genre. C'est pas le YAMS. On va faire le million, là où il y a moins de chances de gagner. Combien y a-t-il de secondes dans une heure, Kerian? C'est pas 3600, un truc comme ça? 2400, c'est faux. Que récolte un paludier? Un paludier, c'est les huîtres ou les moules? Bernadette! C'est les huîtres ou les moules? Les huîtres. J'ai envie de dire les moules. Les moules, les moules. Du blé, donc c'est pas ça. On veut du blé. Quelle est la capitale du Canada? C'est Paris, les amis. Non, je plaisante, c'est Montréal. Montréal. Ah non, c'est pas Montréal, c'est. Honte à moi! C'est Québec, non? C'est pas Québec la capitale. Oh, je suis nul, les amis, je suis inculte. Quel mollusque est élevé? C'est pour ça que j'en gratte pas. En ostréoculture. Ah voilà, ostréoculture, c'est l'huître. Ah, j'en sais rien, les amis, franchement. Ah, on a 20 boules! Les amis! C'était bien l'huître et on a 20 boules! Bernadette, est-ce qu'on se les réjouit? Oh, on a 30 boules, mais c'est un ticket à combien? Les amis! Combien de dés faut-il pour jouer au YAM 5? En plus, j'allais le dire, mais je croyais qu'on pouvait avoir qu'un gain! Oh là là, les amis, le qui veut gagner des millions sort son grand jeu. Et attendez, on a un lot à 5. Ah non, il y a des lots à 30. Mais on peut faire un lot à 50 si on a 20 boules, il y a moyen. Il y a moyen, les amis, 2 fois 20 et on a un lot à 50. Tiens, le premier 20. Je suis sûr il va y avoir 50 dans ce ticket.
Ah non, j'étais pas si sûr que ça. On a remboursé, maman, on fait 5 euros de bénéfice sur les qui veut perdre son pognon. Oh, ça va être intéressant d'essayer de booster un ticket à 30. Ça va être la pression surtout. On va se le booster, les amis, dans la session suivante. Pas cette session parce que je suis vraiment en retard. J'ai encore 2-3 bails à faire. En plus, j'ai la session sur l'autre vidéo à faire, les amis. N'oubliez pas d'aller voir Toflawinance.0. Aujourd'hui, c'est 2 millionnaires avec la case numéro 20. C'est 2 millionnaires plus la case numéro 20. Et pourquoi des millionnaires, encore une fois? Parce que les amis, on vise le lion mi. On a envie, notre objectif, c'est d'être millionnaire. Donc si on gratte des millionnaires, peut-être qu'on se rapproche un peu de notre objectif. 30-0 pour le qui veut perdre son pognon. Mister 34 doit regarder ça attentivement, les amis. Parce qu'il kiffe les émissions. Et grosse dédicace à tous, tous les autres personnes qui kiffent les émissions. Oh les amis, attendez, le zéro. Il y a un autre zéro ici, ça c'est sûr. Ah non, mince, pardon. Bon, peut-être là alors. Ah non, mince. Je savais qu'il n'était pas là. C'est pour ça que je voulais aller voir en bas. Allez, les amis, il faut aller dénicher les zéros. Ben, c'est peut-être là. Où sont les zéros? Ah non, c'est la 9. Voilà, il y en a un là. Et il y en a un là. Ah non, pardon. Là alors. Ah voilà. Et encore un ici. Bon, les amis, là, on voit que c'est 500 000. 0 ou 10. Si le apprendre ou à laisser veut remonter la pente, les amis, va falloir gagner. Ah, les amis, c'était 10 ici. Donc, on a 0 ici, le bonus. 0 boule dans la besace. 0, 30 à 0 pour le qui veut perdre son pognon. C'était un ticket 14, les amis. Incroyable. Allez, on va prendre le 15. Quince de la mañana. Incroyable. Quel prénom biblique, oncle Pix? Ah bah non, on va faire ça. Où se sont tenus les Jeux Olympiques de 72? À Vesoul, les amis, vous savez. Qui va voir sa bru, va voir sa belle fille. Sœur, non, fille. Comment se nomme la femme de Ronald Reagan? Ronalda, c'est connu. Quel astre est associé à Louis XIV? Eh bien, la lune. J'ai demandé à la lune, Bernadette. Non, c'est pas la lune. Si elle voulait toujours de moi. Elle m'a dit, j'ai pas l'habitude de traiter des cas comme toi, des fous comme toi, elle m'a dit. Les amis, quel prénom? On a 30 boules là, 30 boules Bernadette. Et je vais le booster par contre. Regarde, c'est qui veut gagner des millions. Regarde, c'est lequel? Regarde, c'est quoi? Qui veut gagner des millions, Bernadette? Je suis en train de faire un duel des émissions. Le qui veut gagner des millions, je pensais qu'il allait se faire péter, et pour l'instant c'est l'inverse. Après, c'est sur un échantillon de 5 tickets, les amis, ça reflète pas la réalité. On va faire 50 fois le même match, on aura 50 fois. Un autre résultat. Quel prénom biblique oncle Pic soit-il? Balthazar, ça je le savais, les amis. 1000, 30, 50 et 80. Et rien à signaler sur ce ticket. 30 à 0 pour le qui veut perdre son pognon. C'est incroyable, mais vrai, les amis. Ticket 2. Allez, celui-là, il devrait être gagnant, les amis. Le 0 était perdant, le 1 était perdant. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un max de pouces bleus. On vise les 1000 pouces bleus sous chaque vidéo. C'est très important. Ça soutient énormément, les amis. C'est gratos et ça soutient les concepts de Bibi. De Bibi. Soutenez Bibi. C'est 0 ou 5. Allez, les gars, un gain quand même. Ouah, rien du tout. Attendez, peut-être le bonus. Peut-être un match fantastique avec un 50 ici. Oh, c'est 10. 10 boules dans la besace, Bernadette. Le boost va être incroyable. On va pouvoir se booster les deux dès demain. Ça sera la session de demain, les amis. Ça sera la session de demain. Je sais pas à quelle heure, peut-être tardivement comme celle-là. Les amis, en ce moment, ça sort tard parce que j'ai vraiment pas le temps. J'essaye de vite fait vous faire une session, quelque chose, un contenu sympa, les amis. En tout cas, 30 à 10. Mais c'est pas terminé. C'est parti. Qui veut perdre son pognon? 11, 13 et 9. Allez, on va faire le 13. Quelle était la nationalité de Samuel Beckett? Je sais pas, moi, les amis. Quel cinéaste a réalisé Nikita en 90? Luc Besson. C'est ça, hein, normalement. Comment se prénomme le fils du prince Harry Potter? Voldemort. Ça m'a regardé de travers. Non, c'était le prénom, le fils du prince Harry. Tu sais comment il s'appelle? Déjà, c'est pas Mike. Non, pas sans mêler, le prince Harry. Harry normal, oui, dans... son fils. Son fils? Ouais, en vrai, quoi, dans la vraie le vie. Le prince Harry? Ouais. De Londres? Ouais. C'est
C'est Archie. C'est Archie? Archibald? Archie. C'est pas... Non, si, c'est ça, c'est Archie. C'est Archie. Quel mois marque la fin de l'hiver en France? Il devrait nous mettre les réponses pour me rendre culte. La FDJ, rendez-moi moins con, s'il vous plaît. Quel mois marque la fin de l'hiver en France? Eh bien, la fin de l'hiver en France, c'est mars. La fin de février, mars, avril. Ah non, avril, janvier. Non, oui, mars, mars. Déjà, c'est pas janvier. Quel est l'autre nom du football en salle? Bah, le futsal, les amis, je vais créer mon club l'année prochaine, cette année, en octobre. J'ai pas compris le but du jeu, là. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, si t'as. Si t'as vrai. Ouais, en fait, les réponses, elles sont même pas les vraies, vraies réponses. Ils nous mettent des réponses, si elle est faux, t'as pas l'oseille. Mais si la vraie réponse est la vraie réponse, donc de la question, mais en vrai, et ben du coup, t'as ça. Et pareil, dans le jeu digital, tu maîtrises rien. Hein. C'est A, B, C ou D, et ils donnent, c'est l'algorithme, en fait, qui te donne les gains. 30. 1000, c'est pour ça que j'en raffolais pas de ces tickets. Mais bon, aujourd'hui, ils nous donnent de l'oseille, on prend. En sachant qu'on peut tout perdre au boost. Sachant que c'est un gros ticket à booster, c'est un ticket à 30, ça va être sympatoche. Les amis, rien du tout sur ces tickets. On continue notre aventure le 28 et le 29. Ticket 28 et 29. Allez. 30 à 10 pour l'instant. En tout, c'est une mise à 50. Ah non, pardon, c'est là. J'ai tellement l'habitude d'aller chercher les zéros. Voilà. Je vais faire tous ceux du bas pour changer. Et pour l'autre ticket aussi, tiens. C'est là qu'on verra qu'il n'y a pas beaucoup de zéros en fait, les gars. Regardez. Là, il y aura un zéro. Là, il y aura un zéro. Là, il y aura un zéro. Ouh, joli! Où est le zéro? Peut-être les deux, il y a zéro. Peut-être c'est un ticket à 100, ça serait un match incroyable. 11 et 12. Ah ben voilà, forcément la 11, les amis. Bon, ben, c'est perdant. Et ici, peut-être le bonus qui va régaler. Et non, 0 plus 0, la tête à Toto. Allez, le 29, je sens que ça sera un beau ticket. Le 29, ça sera un beau ticket. Ben, du coup, comme le qui veut gagner des millions, qui veut perdre son pognon est en train de mener, on va faire quand même le ticket 11. On finira par le 9. Statistiquement parlant, j'ai envie de faire ça pour le scénario. Quel est le prénom de la mère de Michel Sardou? Micheline Sardou, les amis. Ça, c'était pour Rémi, on a mis. Complétez ce duo de rap célèbre, Eric B and... Eric B... Ah non, B and... Eric B and... Oh, c'était un duo de rap, les amis. Eric B... Ah, il faut qu'on... Ah, Eric... Oh, la honte, je sais même pas, les amis. La honte, c'est Eric. Je sais même pas c'est quoi, les amis. C'était sûr que c'était des rappeurs. C'était des imposteurs, ouais. Combien d'albums de Tintin existent-ils? Non, ouais, c'est 22, non? 24? 22, 24, 23. Quel saint est le patron des boulangers? Saint-Jean-Michel. Quel patron... Non, mais je plaisante, les amis. À quel peintre doit-on le baiser? Michel Sardou. Ah non, les amis. Ah non, c'est un chanteur. Gratter les chaque case joker. 30. 1000. 50. Et 20 000. Comme le qui veut gagner des millions est en train de mener, on va s'en gratter. On va se gratter le cinquième d'abord qui veut gagner des millions. Comme ça, on saura ce que doit faire le apprendre ou laisser pour l'emporter. Qui a peint le radeau de la Méduse? Jean Monnet. Ou Manet. Manet ou Monet, un des deux. En quelle année fut inventé le stéthoscope? Stéthoscope, 1890, un truc comme ça, un délire comme ça. 1871. Quel est le père du chanteur Mano Solo? Ah, c'est connu ça, le père du chanteur Mano Solo, tu sais. Manu Chao. Manu Chao, en vrai? Non. Non. Dans quel pays se situe l'état de Chihuahua? Ben, c'est aux États-Unis, c'est aux States, non? Brésil, faux. De quel pays est originaire le judo? Japon, non? Judo, c'est Japon. Normalement, c'est Japon. En tout cas, c'est pas Thaïlande parce que c'est faux, mais ça donne pas de gain, les amis. Ouais, mais attends, je vais vous donner. Ben, heureusement qu'on est tombé sur un ticket à 30, ça aurait été un ticket à 10, les amis. 30, 80, 10 et 1000. Un seul ticket gagnant, c'est l'équipe qui veut perdre son pognon, mais c'est un ticket à 30. Ça aurait été 10, les amis, il y aurait match nul. Donc, il va falloir faire minimum 20 boules pour égaliser. Il en est capable. Et si on fait, on a plus de chances de faire 50 que 20 sur ce ticket. Donc, je sens qu'on va faire 50. J'ai envie de faire 50 pour le scénario du match. Ça serait un match incroyable des émissions. Match incroyable. Non, je vais quand même partir par le dessus, les amis, parce qu'il y a plus de suspense quand on part par le dessus. Allez les gars. Ah,
non, en fait, les amis, il y aura déjà pas 50. Bah après, c'est possible sur le bonus, hein, on l'a déjà fait, les amis. Vous connaissez, vous connaissez. On en a boosté les chicas à 50 boules sur la chaîne. On en a boosté et déboosté. On mange sur la petite table. Comment ça, tu manges sur la petite table? Bah oui, parce que t'es sur ma grande table. Ah oui, pardon. C'est vrai que c'est moins pratique, les amis. Si je squatte la grande table. Ah les gars, ça se complique. Prochain coup, il faudrait que je prenne les mêmes numéros. Ah les amis, ça se complique à part si le bonus il régale. 0 ou 5. Eh ben, ça sera 0. Les amis, le apprendre ou à laisser a perdu ses moyens en affrontant le qui veut gagner des millions. C'est incroyable. D'habitude, on fait un peu mieux avec ça, les amis. Comme quoi, c'est bien le hasard. Ah bah, tu peux baisser mon âge. Oh, quand même 5 boules. Qui sait, au boost, peut-être que ça peut mieux se passer. Mais j'espère que le qui veut gagner des millions va quand même gagner. Parce qu'au boost, j'ai envie au moins de passer un palier. En plus, c'est un ticket à 30 à booster. On va se faire un kiff. Donc, la prochaine session, demain, les amis, ça sera le boost du ticket à 30. Le boost du ticket à 30. Mais où mon ticket à 30? Attendez, c'était le 14. Ah, il est là. Le boost du ticket à 30, les amis, demain. Donc, vrai et vrai, on a bien 30 boules. Le boost du ticket à 30 face au boost du ticket à 10 et à 5. 30 à 15 pour qui veut gagner des millions? Mine de rien, on récupère 45 euros sur 50 euros de mise. C'est pas ridicule. Restez à la chaussette de notre chère Bernadette. La chaussette de Bernadette qui s'est lavé les pieds, donc elle sent bon, ma Bernadette. C'est parti, Kyriane. Il y a quoi dedans? Un méga goal, les amis. Un méga goal. C'est parti pour le méga goal. Et demain, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un max de pouces bleus, les amis. Pour rester, et restez connectés pour demain. Demain, on fait le boost des 3 tickets. Finir le duel. En version virtuelle, en jeu digital, qu'est-ce que ça va donner? Le apprendre ou laisser, à pas laisser son dernier mot. Mais j'ai quand même envie que celui-là, on soit raisonnable et on prenne de l'oseille. Ouais, j'ai vu, mon amour, je vais le rappeler après, ok? Merci, mon ange, t'es trop gentil. Tu dis bonsoir aux abonnés? Bonsoir, les abonnés. Seb Lassalle, tu portes toujours autant bonheur, mon ami. Grosse dédicace à la Bourgogne. Il m'a envoyé cette pièce il y a très longtemps, les amis, au début de ma chaîne. Oh, merci, Bernadette, au fait, pour le méga goal. C'est très gentil. Merci à toi. Même toi, t'étais pas au courant que c'était un méga goal, mais tranquille. Les amis, 10, 10, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 10 000, 10 000. Rien du tout pour le moment. Allez, les amis. Le trophée. Le trophée. Il est quelle heure? Je suis à la bourre ou pas? 19h04? 3. 2. 1. 0. Faut que j'aille en speed là, je reviens après mon ange. Tac 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 tac, là on a rien, 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 on a rien. Rien du tout. On a rien, vous êtes d'accord avec moi là quand même. C'est parti, sinon dites-le moi en commentaire. Les ballons. Le ballon, les ballons, le ballon, les ballons. Pas de ballon, c'est pas grave. Peut-être que le bonus sera gagnant, les amis, le bonus. Et c'est zéro, malheureusement, la chaussette de Bernadette est perdante. Les amis, jouez avec modération. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. De mettre le pouce bleu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Venez sur la chaîne Toflawin 11.0, les amis. Car ben, ce soir, ça, c'est 2 millionnaires. Et oui, l'objectif d'être millionnaire, Bernadette, je l'ai toujours dans un coin de la tête. Ah, ça rime en plus, Bernadette, dans un coin de la tête. Les amis, prenez soin de vous. Donc, sur la chaîne Toflawin 11.0, case numéro 20, plus 2 millionnaires. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit. Demain, c'est le boost de ça sur cette chaîne, plus la chaussette numéro 21 de Bernadette. Toflawin!